Bonjour à tous, Yannick avec vous, très heureux de vous retrouver sur YouTube. Aujourd'hui nous allons faire une pieuvre, voilà, cette petite pieuvre, un modèle assez simple à faire, rapide, et que l'on peut faire avec différentes couleurs, et on peut aussi s'en servir comme un bracelet, ou alors comme ça, comme le bandeau, voilà, pour se promener avec, c'est sympa. Voilà, donc nous allons faire ça tout de suite. J'enlève mon chapeau. Alors pour ça, il va vous falloir deux ballons 260, un ballon rond, ça peut être un ballon simple, hein, que j'ai eu les petits ronds tout à l'heure, ou alors celui-ci, ce sont les ballons super agate, donc ce sont des très beaux ballons, très solides, mais qui valent un petit peu cher, mais qui sont très beaux, et un ballon blanc 5 pouces pour les yeux. Alors, de suite, nous allons commencer. J'ai choisi des ballons dorés, des ballons métallisés, parce que c'est des ballons qui sont très solides d'une part et qui conviennent bien à la pieuvre, je trouve, à la couleur. Donc voilà. Donc nous faisons des sections de 4 doigts à peu près, oui, 4 doigts et une petite bulle. On fait une boucle oreille, on rejoint les deux petites bulles. Le chat qui essaye d'attraper mes ballons. Donc une section comme celle-ci, nous en faisons une deuxième, toujours 4 doigts, une boucle oreille, une deuxième section, je tape pour mes ballons, hein. Voilà, puis une troisième, toujours 4 doigts, une bonne main comme ça. Et vous pareil. Et une deuxième partie. Comme celle-là. Bon, on pourrait utiliser le reste pour en faire une en plus, mais ça sera. Ça ne servira pas grand-chose parce qu'il nous faudra d'autres manières utiliser un deuxième ballon. Je perce ici, je reprends le petit bout du départ. Et nous faisons rien. Alors une fois que nous avons nos deux parties faites, nous allons simplement les, comme ça, les assembler. Voilà. Donc c'est vrai, généralement quand on parle de pieuvre, on parle d'octopus, donc 8 doigts. Mais 8 doigts, ça ferait trop serré, on ne pourrait pas comme ça un petit peu. Il faudrait laisser un petit peu de place entre les tentacules. Donc nous allons faire une de 6 doigts. Alors on les légèrement comme ça, on les plie. De façon à ce qu'elle est comme ça, le, voilà, légèrement. Voilà. Une fois que nous avons ça, c'est un peu le principe de la fleur. Une fois que nous avons ça, nous allons faire les yeux. Donc les yeux, c'est simple, hein, un petit ballon 5 pouces. Voilà. Et on divise en deux parties égales. Ouais. Comme ceci. On tourne. On rattrape la boucle ici et on fait un nœud comme ceci. Et ensuite, ça peut être un ballon rond très simple, mais comme je l'ai dit au départ, ce sera un ballon super agate, un ballon très joli. Donc voilà, on reste dans les mêmes temps. Je vais l'allonger un tout petit peu, voilà, pour qu'elle ait comme ça une forme un petit peu moins arrondie. Alors ensuite, il nous reste à assembler. Donc évidemment, ce petit morceau-là, pour que les 6 sections restent bien ensemble. Voilà, je vais fixer le tout. Voilà.
Ensuite, je peux couper. Hop. Ensuite, nous installons la tête de la pieuvre. Voilà. Et ensuite, nous installons les yeux. Voilà. Comme ceci. Je prends mon stylo. Alors, ça peut se poser sur une table. Ça peut être un centre de table. Donc on lui fait des yeux bien ronds, tout simple. Et voilà, nous avons une jolie petite pieuvre, comme ceci. On peut en faire un petit bracelet, on peut en faire pour le mettre sur la tête comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà pour cette fois-ci, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour les nouveaux abonnés qui sont encore très nombreux. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.